Je comprends pas très bien ce que t'essayes de me dire, là. J'ai très bien compris. Bon, ok, y a un peu de sang sur les baskets de Raph. Il a saigné du nez, c'est tout. Ça lui arrivait souvent quand il était petit, non? Oui, mais pas là. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il me ment. Parce qu'il a essayé de me faire croire que le fils de Paul lui avait piqué ses baskets. Parce que quelqu'un a lavé ses vêtements lundi soir, le soir où la petite a été tuée. Parce que j'ai vu un truc dans ses yeux que j'avais pas vu avant, Marc. Oh, hey, ça va aller? Non, ça va pas aller, non. Il dit qu'il était chez toi jusqu'à 19h lundi. Ouais. Mais t'étais là? Non, enfin... Ah bon. Encore, j'ai... La machine à laver venait de s'arrêter quand je suis rentrée à 8h30. Elle était sur un programme à 40 degrés qui prend 2 heures. J'ai demandé à tout le monde, personne l'a mise en route. Et c'est forcément lui qui ment. Mais il s'est planté, c'est tout. Il pouvait pas être chez toi avant 19h30. Il y a forcément une explication. Enfin, enfin, Claire. Mais il a pas tué cette fille, là. Et puis quoi, après, il aurait tout arrangé pour effacer les traces? Oh, mais c'est juste pas possible, là. C'est de notre fils qu'on parle, là. Mais je sais! Tu lui as posé la question? Non. Pourquoi? Je crois qu'il va le prendre comment? Sa mère qui lui demande s'il a tué quelqu'un. Et Paul? Tu lui en as parlé? Non. Hier, je suis allée dans sa chambre pour chercher. Je sais même pas ce que je cherchais. Un truc, je sais pas, n'importe quoi, pour me dire qui il est, tu vois, vraiment. Moi, je sais qui il est. Ah ouais, t'es sûre de ça? Tu te rends compte, Marc, je sais même pas qui sont ses amis. Je sais pas où ils vont après l'école, je sais pas quel genre de filles fréquentent. Je sais même pas s'il aime les filles. Il te parle à toi? Non, mais c'est un ado. C'est moi, j'ai l'impression de l'avoir complètement laissé tomber. Mais qu'est-ce que tu racontes? Comme si j'étais sur ma vie à moi, là, le divorce, Paul, les autres gosses, la nouvelle maison. Je me suis laissée complètement déborder. J'ai laissé mon fils s'éloigner. Je sais plus où j'en suis, là. Qu'est-ce que tu veux? Que tu le surveilles. Après les cours, vois ce qu'il fait, où il va, avec qui il est. Qu'on sache s'il est vraiment celui qu'on espère qu'il est.